bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors tu es un des plus anciens judokas du département de l'Aisne et encore en activité, on te voit en judogi aujourd'hui. Alors je te propose de nous expliquer ton parcours de judoka depuis tes débuts. Alors avant tes débuts, d'abord où est-ce que tu habites? J'habite Hirson depuis des années. Situation familiale? Marié. Oui, des enfants? 3 enfants. Qu'ils ont pratiqué le judo. Qui ont pratiqué le judo tous les 3, et dont mon fils qui est ceinture noire, 2e dan. Et ma femme est secrétaire du judo club d'Hirson depuis le jour où j'ai pris le club en main. Donc tu fais partie du judo club d'Hirson. D'Hirson. Et voilà. Actuellement, tu occupes quelle fonction? Je suis directeur technique du judo club. Voilà. Okay. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Alors maintenant, on va retourner en arrière. Les débuts du judo, c'est quand? Mes débuts de judo remontent au 1-10-54, c'était ma première prise de licence. Hirson? Au judo club d'Hirson. Et à cette époque? À cette époque, on était dans la salle du Prigueret, derrière le musée, et on occupait une salle avec la boxe d'Hirson. Et la boxe, je pratiquais déjà depuis l'âge de 14 ans, et j'ai dû arrêter la boxe à cause de ma vue. Le judo étant tout prêt, je suis descendu du ring sur le tatami, et je suis parti dans le judo. D'accord. Est-ce que tu te rappelles le prix d'une cotisation à l'époque? Une cotisation à l'époque devait être de 3 francs, des francs anciens. Qu'on payait mensuellement? Qu'on payait mensuellement. D'accord. Donc la moitié d'un euro pratiquement pour la cotisation. Voilà. C'est ça. Comment se passaient les cours de judo? Les cours de judo avaient lieu 3 fois par semaine. Oui. C'était le mardi, jeudi et le samedi 11 et les 14. Ouais. C'était mixte, il y avait des filles? Filles et garçons. Filles et garçons. Sur quel type de... L'époque, il y avait quand même beaucoup moins de petits. C'était pratiquement tous des adultes. Ouais, ouais. C'est vrai que les enfants sont venus beaucoup plus tard. Oui. Niveau tatami, sur quel type? Tatami, on commençait sur une vache avec de la sciure dessous. Et une fois par mois, on prenait le râteau pour remuer la sciure, pour éviter les morceaux de bois qui remontaient. D'accord. Les chutes étaient difficiles. Ouais. Et les judogis? Les judogis étaient un peu comme ceux qu'on porte actuellement, sauf les pantalons qui étaient un peu plus courts. On était pratiquement à mi-mollet, comme les japonais. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que ça a évolué. Il y a des normes d'aujourd'hui au niveau de la compétition. Alors le professeur à cette époque? Le professeur à cette époque, c'était Maître Michaudet, ceinture noire 3e dan, qui nous venait une fois par mois à Hirson pour faire passer les grades. Le professeur était Maurice Dess, qui était ceinture marron. D'accord. Et le président, Jacques Lafitte. Jacques Lafitte. Qui étaient tous les deux créateurs du club, qui était créé en 52. D'accord. Tu as été élève au niveau de ce club, ensuite tu as progressé. J'ai progressé et à partir de la ceinture marron, c'est moi qui ai pris le club en main. Au niveau de l'enseignement. Pour remplacer Maurice Dess au niveau de l'enseignement. Donc il y a eu le professorat de judo. En fait, dans toute ta vie, l'enseignement du judo, il n'y a pas que ça et tu auras eu une profession. Je suis rentré au judo, j'étais encore ouvrier d'usine, j'étais ouvrier tourneur. Et donc le temps me manquait pour m'entraîner. Parce que je faisais équipe à l'usine, c'était difficile. Et j'ai donc décidé de rentrer dans l'éducation nationale pour être prof de sport. Oui. Et j'ai rencontré Antoine Chérubin, qui était à l'époque au lycée de Laon, comme prof d'éducation physique, qui m'a aidé à rentrer. Mais là, j'ai rencontré Robert Aumont, qui m'a dit, toi, t'as pas d'avenir dans le sport, il vaut mieux rentrer dans la mécanique. Et je suis donc rentré comme maître auxiliaire au lycée de Laon cette année-là. Et le professorat de judo? Le professorat de judo, je l'ai préparé en même temps que je préparais le concours de prof. Et j'ai donc décroché mon professorat de judo en 64, je dis bien 64, à Oulgat, avec maître Roncin et comme partenaire Victor Blanchard. D'accord. À propos de ton professeur de judo, s'il y avait quelque chose que tu pouvais dire de lui, particularité, ses qualités? Mon professeur de judo était surtout... Michaudet, c'est ça. Michaudet, oui, était surtout spécialiste de jiu-jitsu. Ouais. Jiu-jitsu qui nous a enseigné longtemps et qui nous a fait aimer le sport de combat. Ouais. Alors, une profession externe au judo. J'ai donc
J'ai donc décroché le concours de professeur technique en 68, fameuse année 68, pour ne plus quitter l'éducation nationale après. Donc, l'éducation nationale, donc une profession assurée, professeur de judo, toujours combattant peut-être. Oui, oui, oui. Oui. Des élèves à emmener en compétition. Voilà. Une vie de famille, des enfants, une maison. Comment ça se passait tout ça? C'était quelquefois difficile à gérer, mais enfin tout le monde suivait. Hein, dont mon épouse qui s'est dévouée aussi beaucoup pour le judo, hein, puisqu'elle a été élue secrétaire du club, ensuite élue au comité départemental de l'Aisne de nombreuses années. Elle m'a toujours suivi dans le judo. D'ailleurs, pour t'aider dans le monde du judo, il me semble que tu m'as précisé que tu as assuré une fonction au niveau municipal. J'ai été élu en 71 au conseil municipal d'Hirson pour le sport, hein, l'office municipal des sports surtout. Et ça m'a permis d'obtenir, avec les différentes maires, un nouveau dojo, des douches, une salle de musculation, etc. Ah, très positif. Alors. Très positif. En dehors du club, il me semble qu'au niveau du département, il me semble que tu as été à l'origine de la création du comité ou quelque chose comme ça. En dehors du club, j'ai été à l'origine de la création du comité départemental de l'Aisne, mm-hmm. avec Pierre Hulin, Devez, Roberto Cassol, Michel Don, etc., etc. Et on avait créé donc ce premier comité à Laon, avec Michel Bourgoin aussi, qui était CTR à l'époque. Et on a eu comme premier président Jules Van Cranesch. Okay. En ce qui concerne les compétitions, comment étaient organisées les compétitions? Sont départementales, la région? C'était la première compétition, la région, c'était la Champagne. Le département d'Aisne faisait partie de la Champagne. On a été ensuite Champagne-Picardie. On a été Picardie, puis maintenant les Hauts-de-France, etc. Mmh. Hein. Si tu avais, je sais pas, des souvenirs. Les premières compétitions, oui, j'ai des souvenirs des premières compétitions, c'était Hirson-Saint-Quentin. Maître Michaudet nous faisait faire un championnat de laine entre Hirson et Saint-Quentin. Et mon premier combat que j'ai gagné, j'étais ceinture verte et j'ai rencontré Jules Van Cranesch de Saint-Quentin. Pour parler au palais de Fervac à Saint-Quentin. Un bon souvenir. D'accord. Et peut-être une participation à d'autres championnats à plus haut niveau après? Ah oui, après j'ai été longtemps capitaine de l'équipe de Picardie. Et on a fait de nombreuses compétitions, des rencontres contre le Luxembourg, plusieurs fois au Luxembourg, rencontrer l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre c'était à Lille, etc. etc. Et l'échelon national? À l'échelon national, je me suis classé 5 fois au championnat de France. Ma meilleure place, ça a été 5e, en mi-lourd, étranglé par Albertini. Ça, c'est un bon souvenir. Ouais. J'ai rencontré des champions comme Kolsch, Clément à l'époque, Zolski, etc. etc. Ouais, d'excellents souvenirs. D'excellents souvenirs. D'accord. Tu m'as parlé d'un voyage au Japon et d'un élève que tu avais dit, spécificité le concernant. J'avais un élève qui était sourd et muet, sourd et malentendant, on disait à l'époque, et je l'ai présenté au championnat de France, qu'il a gagné. De là, la Fédération française des sourds et malentendants m'a délégué 5 judokas malentendants pour aller au Japon. Et on est donc parti au Japon pendant un mois. On faisait partir une semaine, on est resté un mois. Et les résultats? Et les résultats, j'ai donc eu un champion du monde, Xavier Gaillard, du club d'Hirson, et un deuxième champion du monde qui est là actuellement encore avec moi, Marc Eschenlock, un Dunkerquois, qui ont été tous les deux champions du monde à Tokyo en 72. Les souvenirs sont bons. Niveau résultat, parmi les élèves qui sont venus et que tu as pu former, qui tu pourrais évoquer et qui ont eu des résultats au niveau... On a eu 5 champions de France, dont même féminines, 2 féminines, Marie-Laure de Cotigny, Fab Poutre à l'époque, Laurence Amers, on a eu Yves Boutefeu, champion de France junior, vice-champion de France senior, Patrick Lauriette, Patrick Duchesne, Joël Bourgeois, etc., etc. On a eu 5 champions de France, exactement. Par contre, en équipe, on a eu des très bons résultats. À l'époque, on était inter-région. Et les meilleurs résultats, c'est que j'ai eu, dans la même année, j'ai eu 7 catégories de poids. 7 champions de Picardie,
7. Mmh. Et 6 champions d'interrégion. Ah, oui. Donc l'équipe a été classée excellence. D'accord. Et en excellence, on a donc été à Paris, faire les championnats de France excellence, on s'est classé 4e, en battant le club de Lagny. Ouais. Et là, j'ai une anecdote, le club de Lagny, qui était avec Thierry Rey, comme capitaine d'équipe, qui a rencontré François Mouflard d'Hirson, il a été battu en 1 minute par Ripon. Enfin, François Mouflard. Par François Mouflard, ouais. Je me rappelle excellent. Dans cette équipe, il y avait François Mouflard, Philippe Mouflard, Patrice Berthoud, Gerbi, Lauriette, Poutefeu, toute la fine équipe. Quoi, des... Alors, en dehors des compétiteurs, tu as formé des enseignants, des hauts gradés? Ah oui, des hauts gradés, oui. Mon plus haut gradé, c'est Patrice Berthoud, qui est ceinturier en 7e dan. C'était un des piliers de l'équipe de Hirson aussi. On a eu Bruno Blondel, 6e dan aussi. Oui. Yves Boutefeu, 6e dan. Et ensuite, 5e dan, 4e dan, Evana, Jean-Marie Leclerc, mon gendre, etc., etc. D'autres choses? Il y aurait beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup. Tu as reçu une médaille avec une visite dans ce jour-là. Oui, pour mes 50 années de judo, on m'a fait une surprise à laquelle j'étais très sensible. C'est que Jean-Luc Rouget est venu me remettre la médaille. Je n'étais pas prévenu du tout. J'ai dû rentrer dans la salle, j'étais resté assis. C'est un très bon souvenir. Oui. Voilà. Écoute, je te propose d'en rester là. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de nous délivrer ton parcours de judoka. Et à bientôt. Voilà. Merci Daniel. Et ici à Hirson, on nous dit qu'on est une fabrique de champions. Donc, c'est toujours... Eh ben, tant mieux. Pourvu que ça dure.